Tu bossais pas au touchdown? Ouais, pourquoi? Comme ça, je t'ai reconnu. C'est quoi ce truc que tu tiens? Pourquoi ça t'intéresse? Je trouve ça joli. Y'a que les adeptes qui en ont un. Je fais un reportage sur les jeunes qui sont membres de groupes mystiques et j'aimerais bien pouvoir te filmer. Je sais pas si Ziggy acceptera. Je vais lui demander. À tout à l'heure. Toi, la journaliste? Et pour quelle chaîne? Aucune, je fais ça pour le lycée. Ah oui, bien, on va parler dehors. Zoé. Enchanté, moi c'est Ziggy. Elle, c'est Nelly. Donna. Et lui, c'est Benji. Je veux bien que tu nous filmes, mais sous certaines conditions. Tu pourras tourner chez nous sans donner l'adresse. Et tu viendras seul. D'accord? Pas de problème. On se voit quand? Viens demain soir. Vers 9h. Venez. Au début, j'avais un peu les foies, mais il a été gentil. Et tu préfères pas que je t'accompagne? Impossible, j'ai promis de venir seule. J'ai l'impression que tu m'en veux. Non, mais j'aimerais que tu me dises où t'étais hier soir. Ah, Zoé, il paraît que tu prends tout le matos. Oui, je dois filmer un truc cette nuit. Mais moi, il faut que je termine mon clip. D'accord, mais tu me le rends avant ce soir. Promis. Alex, au plus tard à 8h. Compte sur moi. Merci. À plus, les filles. Je crois qu'il a craqué. Tu vas pas t'y mettre. J'attends toujours de savoir où tu étais hier soir. Un repas de famille. Tu parles. Quelle ponctualité. C'est la faute du bus, je suis désolée. Ça fait rien, pose la caméra là. Je peux savoir où t'as rendez-vous? Non, je peux pas le dire. Tu veux que je vienne? Ils sont bizarres, mais ils sont pas méchants. C'est toi qui décides. T'inquiète, allez, à demain. D'accord, salut. Salut.
interviewer? Oui, mais je veux pas qu'on me reconnaisse. Pas de problème. Au montage, je ferai en sorte qu'on ne puisse pas t'identifier. Je n'aime pas parler. On essaye. Comment tu es devenue membre du groupe? J'ai rencontré Ziggy et je l'ai suivi. Qu'est-ce qui t'a motivée? J'avais envie de changer de vie. Qu'est-ce que ça te procure de piquer cette poupée avec des aiguilles? Rien de spécial. Ça fait partie du rituel. Qu'est-ce que vous faites d'autre? On se protège comme si on était une famille. Comment tes parents ont réagi? Je suis partie de chez moi. Comme ça? J'avais des problèmes avec mon père. Il me violait souvent. Il a fait ça combien de temps? Ça a duré 2 ans au moins. Un jour, j'en ai eu marre et je me suis enfuie. Est-ce que ta mère sait pour ton père? Je l'ai prévenue, mais elle n'a pas voulu me croire. Elle m'a accusée de mentir alors que je suis partie. Est-ce que tu la vois encore? Désolée, je n'ai plus envie de parler. J'aimerais être seule. D'accord. Si tu veux qu'on en rediscute, fais-moi signe. Oui, peut-être. Maintenant, passons à l'émission. Vous avez des sujets, il faut qu'on avance. Zoé, nous t'écoutons. Quoi? Tu as réfléchi à un sujet? Karine et moi, on a choisi de traiter de l'influence des groupes mystiques sur les jeunes. Ils parlent des sectes en Inde et aux États-Unis, et nous, aux oubliettes.
Je te l'ai dit, y a rien. Il faut quelqu'un qui fasse partie d'une secte. Oui, et je le trouve où? Il y a quelques mois, il me semble bien que j'avais une serveuse qui faisait partie d'une secte. Elle était plutôt étrange. Elle s'appelait Nelly. Elle parlait souvent d'une boîte en centre-ville où ils se retrouvaient tous. Salut, beauté. Tu bossais pas au Touchdown? Ouais, pourquoi? Comme ça, je t'ai reconnue. Je suis ici parce que je fais un reportage sur les jeunes qui sont membres de groupes mystiques. Je veux bien que tu nous filmes, mais sous certaines conditions. Tu pourras tourner chez nous sans donner l'adresse, mais tu viendras seul. Tu veux que je vienne? Ils sont bizarres, mais ils sont pas méchants. Arrête de filmer. Est-ce que je peux t'interviewer? Comment tu es devenu membre du groupe? J'étais en reportage toute la nuit. Et alors? C'était la nuit la plus folle que j'ai jamais passée. Et t'étais où, Zoé? En reportage. On a paniqué à cause de toi. Personne ne m'a rien dit. Allez, laisse tomber, passe-moi la caméra. Pourquoi celle-là? Parce que toutes les autres sont en panne. Salut les filles. Salut. Salut. J'avoue que tu me surprends. Pourquoi? Je ne pensais pas que tu aurais le courage d'y aller seule. Je pense que j'ai fait un super reportage, mais j'avais aucune idée où je mettais les pieds. Je pourrais voir les roches? C'est une vraie pagaille. Quand j'aurai fini le montage, je te le montrerai. Tiens-moi au courant. Nous avons pris la caméra de Zoé. Faites bien attention, vous avez cassé toutes les autres. Nous, on n'a rien cassé. Peu importe, c'est la seule qui fonctionne. S'il lui arrive quelque chose, vous êtes mort. Moi, j'ai toujours été méticuleux. Très bien. Allez-y et bonne chance. Merci. Ouais. Ce serait sûrement pas mal. Tu délires, c'est risqué. C'est pas risqué, tu peux faire ça, non? On a qu'à les filmer de l'autre côté. Si tu les prends d'en haut, ce sera beaucoup plus original. N'empêche que ça fait haut. Eh, me dis pas que t'as le vertige, haut. Oh, c'est bon, j'y vais. Eh, les gars, attendez, il va monter pour vous filmer. Action! Pas. Non, mais fais voir. Laisse, je te dis. Et voilà, elle marche plus. Laisse-moi jeter un œil. Je
se l'avait dit pourtant que c'était risqué. Et pourquoi t'as pas bougé? Comment ça? Il est arrivé à toute berzingue. Mais t'aurais pu te débrouiller pour l'éviter, non? Bon, et maintenant on fait quoi? Joseph va nous tuer. Joseph tuera personne. Moi je connais quelqu'un qui va nous la réparer. Pourquoi faut que je t'écoute, toi? Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. De quoi s'agit-il? On a fait tomber notre caméra. Montrez-moi ça. C'est sérieux? Repassez demain et ce sera bon. On doit la rapporter ce soir. Faudra patienter. Jusqu'à demain. Ah, réparez-la tout de suite, faites un petit effort. Je peux pas, j'aurais dû fermer il y a une heure et je suis encore là. Combien ça nous coûtera? J'en sais rien, il faut que je voie l'étendue des dégâts. Vous pouvez la réparer, vous en êtes sûr? Aucune machine ne me résiste. On pourrait peut-être sortir. Où ça? On irait prendre un verre quelque part tous les deux. Je ne peux aller nulle part avec toi. On pourrait trouver un endroit discret. J'en connais pas beaucoup. J'en ai vraiment marre d'être obligée de rester là. Tu n'es pas la seule. On pourrait s'arranger pour que personne ne nous voie. Nous devons sortir avec la hantise d'être vus. Cela n'a rien d'agréable. Restons cachés. Ne fais pas la tête. Oh, je ne fais pas la tête. Je suis très heureuse. Je suis partie de chez moi. J'avais envie de changer de vie. La pauvre, elle a pas eu de chance. On va demander à Joseph de le diffuser pendant les infos. Je préfère pas, Karine. Et pourquoi ce que t'as fait est génial? Je veux pas que ça lui porte préjudice. J'essayais de penser à autre chose. Bonjour. Bonjour. Vous allez être déçu. Vous n'avez pas réussi à la réparer? Je suis désolé, tout le mécanisme est déréglé. Vous voulez dire qu'elle est fichue? Je ne dis pas ça. Il faudrait l'envoyer au Japon pour la faire entièrement réparer. Et vu le prix que ça va coûter, autant en acheter une autre. C'est vraiment la seule solution. Puisque je vous le dis, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Et on n'a plus qu'à la reprendre. T'es malade? Autant dire qu'on va se faire virer. On devra dire la vérité à Joseph, on n'a pas le choix. On va se faire tuer. Vous pouvez remonter toutes les pièces, s'il vous plaît? Zoé, Joseph demande si on peut diffuser ton reportage. Oui, qu'il patiente encore quelques secondes. Dépêche-toi, Zoé. Où est-ce que vous étiez? On a eu des ennuis. Je veux pas le savoir, on passe à l'antenne dans une demi-heure. Allez au boulot, ne restez pas planté là. Antenne dans 3 minutes. Tout le monde est prêt? Envoyez le VTR. J'ai pas encore calé le reportage de Zoé. Eh bien, tant pis pour elle. Attends, c'est plus qu'une question de seconde. Elle n'avait qu'à être prête. Allez-y. Je te dis qu'elle arrive, Joseph. Décompte. Envoie VTR. 5, 4, 3, 2, 1. Générique. Tony, les plans accélérés. Bonjour et soyez les bienvenus sur Fazcam. Voici le menu d'aujourd'hui. Un reportage exclusif sur les jeunes et les sectes des communautés mystiques qui nous laissent sceptiques et sans fric. Un clip pour les inconditionnels de la moto. Une interview de notre équipe de basketball qui s'est qualifiée pour la finale. Génial! Et nous finirons cette émission en beauté avec Anne, la reine des potins mondains. Mais pour commencer, voici votre flash d'information. Flash d'information dans 3 secondes. Envoyez. Zoé, donne-moi ta cassette. Laisse-moi encore quelques minutes. Non, si tu veux qu'on diffuse ton reportage, c'est maintenant ou jamais. Ramène-toi. On ne peut plus attendre, on saute son reportage. Envoie la suite. D'accord. Le clip sur les motos. Joseph, j'ai la cassette. Je suis désolé, Karine, mais c'est trop tard. C'est important que tu le diffuses. Dis à Ethan qu'on va diffuser le reportage. Et maintenant, voici le reportage exclusif que je vous avais annoncé. Des jeunes appartenant à une secte ont accepté que nous filmions certains de leurs rituels. C'est un reportage de Zoé Clark. Attention, envoyez. Le nombre des sectes des communautés mystiques ne fait qu'augmenter.
des jeunes comme vous et moi ont décidé de tout quitter pour rejoindre des sectes où ils s'adonnent à des rituels. La liberté, la fraternité sont les fondements de cette nouvelle vie qu'ils ont choisie et qui rejette la société de consommation. Le groupe pratique toutes sortes de rituels plus bizarres les uns que les autres, comme ce rituel vaudou où l'on pique des poupées avec des aiguilles. Le matin, le groupe s'assoit dans différents trucs. Ziggy joue du tam-tam, Benji de la guitare, et les autres dansent en tapant dans leurs mains. C'est leur manière de faire la manche, mais quand ça ne marche pas, ils sont obligés de voler. Oh, oh, hey, voleur ! Comment tu es devenu membre du groupe ? J'ai rencontré Ziggy et je l'ai suivi. Qu'est-ce qui t'a motivé ? J'avais envie de changer de vie. Je suis partie de chez moi. Comme ça? J'avais des problèmes avec mon père. Il me violait souvent. Il a fait ça combien de temps? Ça a duré 2 ans, moi. Ça se passait très vite. J'essayais de penser à autre chose et j'attendais que ça finisse. Un jour, j'en ai eu marre et je me suis enfuie. Est-ce que ta mère sait pour ton père? Je l'ai prévenue, mais elle n'a pas voulu me croire. Elle m'a accusée de mentir, alors je suis partie. De temps en temps, je l'appelle. Je n'ai plus envie de parler. J'aimerais être seule. Wow, quelle histoire! Zoé, t'es une vraie pro. Merci. Félicitations. Tommy, remets ton casque. L'émission n'est pas terminée. Nous parlerons de ce reportage plus tard. C'est bon, maintenant on passe sur la caméra 2. L'atmosphère avec toutes ces bougies, cette ambiance feutrée et leur manière de montrer leur désir sans le moindre complexe, c'était impressionnant. Hé Zoé, j'ai tout vu, c'est génial ce que t'as fait. Je tiens à te féliciter, vraiment. Tu peux compter sur notre soutien. Tu peux être fier de toi. C'est l'un des meilleurs reportages qu'on ait fait ici. Pourquoi ils ont accepté que tu filmes leur rituel? Parce qu'ils avaient Zoé, besoin de... Zoé, madame le proviseur veut te parler. Courage. Tu as fait un très bon reportage. Je pense même le proposer à une chaîne. Vraiment? Oui, mais il y a un détail qu'on doit éclaircir ensemble. Lequel? Tu vas le savoir. Bonjour Zoé. Assieds-toi. Je voulais te dire que j'avais trouvé ton reportage vraiment passionnant. Merci. Joseph a dû te dire que nous voulions le proposer à une chaîne. Mais avant tout, je veux savoir qui est cette jeune fille qui a témoigné. Sur elle, je ne sais pas grand-chose. Comment s'appelle-t-elle? Je lui ai juré de ne rien dire. Je crois que tu n'es pas consciente des conséquences de ton reportage. Je veux que tu comprennes que seules les autorités compétentes peuvent l'aider. Mais je trahirais sa confiance si je vous révélais son nom. Il ne s'agit pas de trahir sa confiance, mais de la sauver. Je ne peux pas vous dire son nom. Inutile d'insister. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est à la police de mener son enquête pour éviter que d'autres jeunes se retrouvent dans la même situation. Mais je suis tenue au secret professionnel. Tu n'es tenue à rien du tout. Tu n'es pas encore journaliste. L'école est responsable de tout ce que tu fais. Je peux pas vous dire maintenant. Nous n'avons pas le choix. Je veux son nom avant la fin de la journée. Joseph, tu peux rester un instant? J'ai à te parler. Tu ne vas pas faire ça. J'ai pas le choix. Personne ne peut t'obliger à dire son nom. Je crois bien que je regrette d'avoir fait ce reportage. Tu n'as rien à regretter. Tu as fait du très bon boulot. Laisse-nous seuls, s'il te plaît. Et si moi, j'ai envie de rester? Karine. Avant tout, sache que je suis le seul responsable de ce qui t'arrive. Je pensais que c'était un bon sujet, et je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Joseph, elle a accepté de témoigner parce qu'elle me faisait confiance. Ce serait malhonnête de ma part de la trahir. Si elle a témoigné, c'est pour qu'on l'aide, c'est tout.
Alors pourquoi elle ne voulait pas qu'on révèle son identité? Parce qu'elle ne sait plus où elle en est. Que se passera-t-il si je ne dis rien? En cachant son nom, tu protèges son père qui mérite d'être puni pour ce qu'il a fait. Il faut que tu me fasses confiance. Je ne ferai jamais rien qui puisse te nuire. Donne-moi le nom de cette fille. Ne crains rien, c'est à moi seul qu'on demandera des comptes. Si tu veux l'aider, c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Nelly Smith. Zoé? Zoé, qu'est-ce qu'il y a? Tu es vraiment qu'une ordure. Karine, reste en dehors de ça. Tu aurais pu au moins respecter son honnêteté. Ne me dis pas ce que je dois ou non respecter. Je crois que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Tu penses que c'est toi qui vas me les apprendre? Tu peux trouver quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que je vais faire. Joseph, il faut qu'on t'avoue quelque chose. Vite, je suis pressé. La caméra... Qu'est-ce qu'elle a? On l'a cassée. C'est arrivé comment? Vas-y, je t'écoute. On est allé filmer des jeunes qui faisaient du roller. Il était en haut de la rampe et il l'a lâché. Fais voir. On est allé chez un réparateur, mais il nous a dit qu'elle était fichue. Vous le faites exprès ou quoi? Continuez comme ça, il n'y aura plus d'émission. Mais elle fonctionne. Ce bouton, il sert à quoi, à votre avis?